Salutations spéciales pour tous les amis qui sont déjà ensemble avec nous sur channel ça. Ou même qui pour abonner, nous devons abonner ensemble avec channel ça ou sous média pour là et planète info 24. Nous retenons toujours Jean Saté annoncé hier dans sommet CARICOM dans 44e sommet CARICOM qui a fait dans le pays Bahamas côté premier ministre canadien te dit que il y a une nouvelle sanction qui pourrait tomber sur des autorités haïtiennes. Eh bien, c'est fait. Et pour y aller, il y a deux autorités, ou bien anciennes autorités dans l'État haïtien, eux-mêmes qui sont sanctionnés par Canada. Là, d'ailleurs, il y a un ancien et premier, et ancien président, Jocelyne Privé, et il y a Salim Souka, et qui nous a même soupçonné et financé gang criminel en Haïti. Eh bien, il y a un total 17 personnalités qui sont sanctionnées par Canada et pour les implications et financement gang dans le pays d'Haïti. Restez là, nous voyons le bon détail. Des bandits armés hier non identifiés et kidnappés et hier 16 février, l'ancien sénateur Louis Gérald Gilles et les mêmes qui en bas code. Et puis, il y a l'hôpital La Chapelle, lui-même, et Verrette, qui ferme définitivement, parce que gang et ça vient, et qui ont même a fait l'appli et les boutons dans la zone ça, yo mette quartier général dans la zone ça, et bien, l'hôpital là, lui-même, lui ferme. Et c'est ça, nous-même, nous capables d'où. Et puis, il y a un jean noté d'où là tout, et il y a des bateaux, des gars qui pourraient contrôler côte et des mers là dans pays d'Haïti et bien navi canadien sa yo et qui au même majesté et NCSM Glace Bay et Moxton seront déployés au large d'Haïti plus particulièrement aux alentours de Port-au-Prince au cours des prochaines semaines. Plus de 90 marines et de la marine royale et plus de 90 marins de la marine royale canadienne et ap vinan en Haïti. Bravo, ça a extrêmement important. Les ça et gen isolé même qui konnen et gen ti chalou pli pran faire zone de mer et kout de mer al pran ti plaisir là. Ça yo y a gen contrôle mon ami. Y a gen contrôle mon parce que ça la bon quand même. Le gouvernement canadien imposé des sanctions et n'a vinn sous ça et nouveau et Chabrat yo même yo sanctionné dans pays d'Haïti. Et puis gagné sans et mentionner les noms et du nom les secteurs blikken et américains annoncent ce jeudi 7 février des arrestations, des restrictions des visas de 5 personnes en Haïti, 7 et 7 membres de leur famille et souligner ce que c'est en raison d'activités de violence et dans pays d'Haïti. Bon, yo et là gagné américain là qui annoncé au même tout il a fait des restrictions sur et 5 personnes en Haïti là dedans gagné même famille qui 7 dans même famille moun sa yo même yo et ba yo sanction tout dans pays d'Haïti. Bravo, il a travail pour nous, il a aidé nous travail et parce que moun sa yo c'est des moun et qui finir ensemble avec pays a. Et puis gagné PM jamaïcain lui même qui était réuni ensemble avec PM et ça n'a parlé de PM et Bahamas là et jamaïcain disons pour que même yo te parler sur problème haïtien et n'a prétend pour nous capable connaître qui ça ça les même la baille dans ça qui travaille ensemble avec pays d'Haïti non nouvelle ça yo et n'a dou gagné journal dans pays dominicain et pays république dominicaine. Yo même qui dit que yo ainsi yo pas ka supporter haïtien encore dans pays Saint-Domingue. Bonjour, bonsoir tout le monde. Son réel plaisir, son contentement pour que nous ensemble avec vous. À chaque fois, nous avons l'opportunité pour que nous partager message ensemble avec vous. Jean Premier ministre canadien a annoncé dans cadre 44e sommet CARICOM nan côté il te dit bientôt a gagner sanction qui a venir pour autorité et dans pays d'Haïti. Eh bien, il n'y a pas gagné 24 heures depuis le même temps qu'il a fait ça et l'a passé. Et puis, il a dit à Canada annoncer et de nouveau, membres dans le pays d'Haïti, n'a parlé des anciens et ministres
et par intérim et président par intérim non n'a parlé de Jocelyne Privé lui même qui était fonti passer dans transition hein? Et Jocelyne Privé et bien mais c'est ça actuellement qu'on n'a parlé ensemble avec le Canada lui même en met ton pied sous couli et moun sa yo impliqué dans zak malhonnête dans pays d'Haïti c'est des moun qui travaillent pour bandi yo même yo capable faire l'appli et les boutons dans pays d'Haïti et bien moun sa yo yo joine sanction yo n'a parlé de et ancien président et n'a parlé là de Jocelyne et Privé les mêmes qui sanctionné par et pays Canada et Jocelyne et ensemble avec et avocali et Salim Saka moun sa aussi des moun qui certainement dans pays d'Haïti wol yo c'est bay gang yo zam bay gang yo moyen économique pour yo fin craser pays ya et bien Canada après yo grain par grain et d'ailleurs Canada lui-même li petit monde des affaires li konn bagay yo très bien et bien li mette pied sou et moun sa yo et ça fait au total 17 moun nan pays d'Haïti qui a fait zak malhonnête nan pays ya tout se nan l'état yo wa jam tan don moun et nan et ti mali yo a fait bagay sa yo tout nèg sa yo c'est moun ki nan secteur et privé a et des moun qui passé dans l'état déjà c'est eux même qui a fait zak malhonnête ici on a raison l'oré gang yo a opéré yo même yo passé avec machine yo à l'aise yo passé ensemble avec tout sa yo gen pour yo passé à l'aise wa jam tan di yo kidnappé yon nan dan yo ou va jamais entendre yo kidnapper yon premier ministre, yon sénateur, yon député, ou va jamais entendre yo kidnapper yon ancien président, en va jamais fait parce que c'est eux même qui problème non, c'est eux même qui baya activité pour que eux même moun sa yo même yo capable fonctionner. Eh bien, et pays Canada lui même l'ex président Jocelyne Privé et puis avocat en parlant de Salim et Saka, yo même yo sanctionné jodi a là et pays Canada lui même qui annoncé sanction. Bon, moun sa yo de pour Canada parler, de pour le premier ministre parler, de dans CARICOM, non, yo te ki tan konnen, yo même tout yo sanctionné. Ça veut dire qu'on est, les gen plusieurs moun nan band lan, et chaque moun a veillé les ports, et même gens yon examen, chaque moun a veillé tout nos ports pour qu'on va passer, mais depuis premier ministre Justin Trudeau te fin parler à tout, mais c'est ça où yo te suspect quand yo konnen que yo a fait yo pas propre, yo konnen en tout moment, yo capable prendre yo. Et bien, maintenant, yo prend moun sa yo, et pour capable quitter pays a vraiment fonctionner et puis il y a des gens qui parlent hier Canada lui-même lui décide de voyer des avions et bateaux de guerre dans pays d'Haïti pour qu'il a le contrôler et la mer et activité qui a parlé et qui a passé sur la mer également enregistrer des informations et bien d'après premier ministre Canada il dit que et bateaux de guerre ça yo yo va aller seulement pour que vraiment yo renseigner prendre des informations yo va gagner l'autre bagaille yo va le faire encore dans pays d'Haïti c'est pour contrôler système et côte de mer là et puis enregistrer des informations et tout autour des insécurités qui a passé dans pays d'Haïti c'est ça yo même yo fait connait les majesté et NC et SM et glacé baye et Monction c'est on déployé au large d'Haïti plus particulièrement aux alentours de Port-au-Prince au cours des prochaines semaines à venir 90 marins et de la Marine Royale du Canada et participeront à cette mission selon force l'armée canadienne. Ça veut dire et dans jour qu'a venir là 86 marins et qui a fait partie et côté ça qui a débarqué dans le pays d'Haïti plus précisément aux alentours de Port-au-Prince pour que même il a contrôlé activité qu'a fait et sur côte dans le pays d'Haïti parce que ça yo c'est un gros bagaille lié et dans sac garé ensemble avec pays d'Haïti Canada lui-même qui campait pour que lui-même li aide pays a ensemble avec moyen ou bien avec nécessité le capable bien que Canada et m'pa konnè ki jan ou ti acheté bagaille dans mon parce que l'ou acheté un bagaille ou pas acheté la prix exact soit ou acheté li dans fraude ou pas réagir même si ou pas joindre résultat c'est une raison après blendé ou là yo dans main compagnie canadienne non et sortant di a moun ki te versé comme là dans pays d'Haïti ou pas ka réactionner parce que et gen bagaille qui pas passé bien et toujours même si comme là dans main compagnie canadienne non yo beaucoup ba nous blendé ou mais nous pas ka parler et mais y a cherché ouais dans qui mesure yo capable aider nous ensemble avec et bateau de Gessayou et nouveau gauche à braque dans pays du Canada sanctionné pour implication présumée financière supporter activité criminelle dans pays d'Haïti d'après Radio Canada et signalé
privé Atsuka et vine renforcer yon golis moun en bas sanction yo parmi yo Materi Lamotte, Ronny Celestin, Gary Baudot, Yuri Latorti, Joseph Lambert, Badio ensemble avec l'autre moun encore et qui sanctionné dans cadre et implication yo dans supporté gang dans pays d'Haïti. Et puis gagnent et sans yo pas mentionné non yo et d'après Blinken et américain annoncé jeudi à 16 février des restrictions de visa et ça c'est pour États-Unis qui annoncé restriction de visa pour 5 personnes en Haïti et 7 membres dans famille yo souligné c'est en raison des activités violence et d'obstruction et de la démocratie et de l'état de droit en Haïti. Et bien moun sa yo bay restriction et nan visa yo pour que yo même yo pas et fonctionner. Et bien l'hôpital Albert Einstein et nan sa ki gare ensemble avec et commune La Chapelle li fermé porte li et avec insécurité qui a passé dans moment ça là dans zone ça et bien tout cellule yo d'urgence yo même yo mise en place et aspa mais c'est mais li même et cap parler n'a parlé déjà qui li même qui c'est et magistrat zone là Jérôme Alphonse li même qui parlait li dit 4 commissariats et du département de la Tibonite abandonné par les policiers. Policiers yo même yo pas ca supporter, yo pas gain force et bien yo même yo abandonné. Yo abandonné et bandi yo pi fò passé yo quitté zone là et bien l'hôpital yo et bien yo obligé fermer. Vous regardez San Abdoula, bandi fait l'hôpital pas ca fonctionner dans pays d'Haïti parce que si yo même cap commandé et bien toute porte l'hôpital ça yo fermé parce que pas gain la police pour mettre sécurité et bien yo obligé ferme porte yo. Tu bon pays ça va aller pour bandi mettre imposition et l'hôpital va pas fonctionner et puis bandi aller même la fonctionner à l'aise. Si nous même fait ça ici qui fait pays aller même li tourner, yon et poison pour peuple haïtien. Hier gagné PM jamaïcain ni même qui t'ai rencontré ensemble avec PM canadien côté ou même yo te discuter nécessité et Haïti li même li besoin pour que li même li capable avancer ou bien sorti tête li dans insécurité que li même la traversé là et bien yo même yo parler de ça yo dit que Haïti besoin yon et force pour aider pays et Jean Noudou là et gagné un avis ça au cap privé des classes qui sont de la Jamaïque royale canadienne vont bientôt et patrouiller les deux eaux haïtiennes et en particulier et aux alentours du Port-au-Prince. Ces déploiements visant à renforcer et les efforts en vue d'établir la paix et la sécurité pour le peuple haïtien selon le ministre de la Défense du canadien. Et ça veut dire avion ça y a plein de manière spéciale pour établir la paix et sécurité dans le pays. Et Jean Noudou là, et n'a pas allé à l'étranger toujours, gain Saint-Domingue, et qui au même, il dit que au même, il bouqué, ensemble avec Haïtien, il n'a pas supporté Haïtien encore dans le pays Saint-Domingue. Tandis que Jean Noudou là, bien, et bien, gouvernement dominicain Louis Abinadel, parle bien de Bodlia, il dit qu'il n'a pas supporté Haïtien encore dans le pays Saint-Domingue, bagaille la marée dans le et il n'a pas gagné courage pour supporter Haïtien encore dans le pays Saint-Domingue. C'est ensemble des informations nous avons partagé ensemble avec vous et n'abdo gagné premier ministre là après participation dans 44e sommet à la il dit que la font communiquer ensemble avec la nation et bien hier côté lui même ils font déclaration piment bouc et monsieur lui même qui signalé et tout le monde qui a parlé gouvernement mal la privé sur yo c'est gang qui a gouverné dans pays d'Haïti. Merci tout le monde yon jou wadi et on joue à connaître comment bagaille yo même yo parce que pays d'Haïti son pays en détail. Merci tout le monde.